Yo Coca, tu vas bien? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Oh putain, j'ai débarré mon stream clairement à la one again. Ah, j'ai oublié la lumière. Hop, c'est bon, je crois que j'ai tout lancé. Bon bah j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour un tout petit stream. J'ai pas. Bah de toute façon, faut que je parte vers 17h30, donc. Ça va pas être très très long. Hier j'avais un peu la flemme de streamer. Enfin j'avais la flemme de faire quoi que ce soit hier. J'avoue je suis resté dans mon lit, j'ai lézardé comme une grosse merde. Mais là du coup j'ai bien envie de me faire Portal 2. J'ai la flemme en fait de faire les maps bonus de Portal. Enfin de Portal 1. Donc je pense que je vais directement me faire le Portal 2. En tout cas le commencer aujourd'hui. Après je ferai peut-être les maps bonus une prochaine fois mais là j'ai un peu la flemme. Je crois qu'on est bon. Oh putain ça pique le nez. Ah si d'ailleurs sur un autre sujet peut-être intéressant ou non, je me suis acheté Devour. J'avais envie de me l'acheter, en plus il coûte rien. Si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un petit jeu d'horreur plutôt sympathique. Attendez, je peux peut-être montrer le. Peut-être montrer le tut. Non, attends. Hop. Musique. Non. Ah, attendez. Laveur Media n'a pas envie de capter l'écran. Ah, voilà. Mieux. Donc, Devour, en gros, c'est ça.
C'est plutôt sympathique. Alors, les graphismes ne sont pas les plus beaux du monde. Mais par contre, il fait plutôt peur. Sinon, le vrai trailer, c'est celui-là, normalement. Et en gros, le but, ça va être d'exorciser un monstre ou un démon. Là, par exemple, sur cette map, le but, c'est d'avoir 7 ou 9 chèvres, je sais plus. Enfin, c'est de les trouver et de les sacrifier sans se faire buter. Sauf que le jeu est un peu hardcore quand même, sur les bords. Bon, le jeu n'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau des jeux d'horreur. Mais franchement, c'est un petit jeu d'horreur qui peut être en coop de 1 à 4. Et franchement, j'ai vu pas mal de vidéos de stream dessus. Et franchement, il me tente bien. Il me tentait bien. Mais bon, 3,99 le jeu, ça va. C'est pas déconnant. Et en plus, ouais, je crois qu'ils vont sortir une nouvelle map, j'ai bien l'impression. Est-ce qu'ils ont fait un trailer dessus? Trailer. Attendez. Univers un peu japonisant. Oh non, pas des araignées. Oh. 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 Bah ça a l'air bien sympathique tout ça. Super, donc on va être sur une thématique un peu araignée, un peu femme à 8 bras, ça va être sympa. Le 23 c'est quand? Le 23 c'est jeudi prochain. Ça peut être intéressant. En tout cas c'est pas mal qu'ils aient sorti ça avant Halloween. Plutôt pas mal. Hop, donc ouais je me le suis acheté, je me suis un petit plaisir, voilà. Voilà, ça me fera peut-être un jeu de plus à faire pour Halloween. Parce que j'aimerais bien cette année, enfin faire mon stream d'Halloween. 2018, j'ai voulu faire mon stream d'Halloween, j'ai plus internet. 2019, j'étais malade. 2020, il y a eu quoi? Je me souviens plus ce qui m'empêchait en 2020 de streamer. Ah si, bah si, j'étais pas du tout dans le mood de streamer en fait. C'était surtout ça. Donc, ouais. Pouf. Toc. Bon, et bon, on va être parti pour Portal. Alors, normalement, je l'ai bien téléchargé. Portal. Hop, let's gong. Ah, qu'est-ce que j'aime ce bruit. On peut remote play maintenant. Bof, quoi que ça doit faire longtemps en fait.
Alors, oh merde, j'ai pas changé de scène. Quoi. Alors attendez, option. Audio. Ok. Configuration de haut-parleur. Casque. Ah mais du coup ça a pété la musique. Bon. Qualité sonore élevée. Saut de l'éditeur de puzzle activé. Texte complet. Langage audio français. Langue actuelle du jeu. Nanana. Touche pour commande vocale. Ok. Configuration microphone. Ah bah oui, si c'est pour le. C'est pour le multi, je suis con. Hop, j'éteins juste ça. C'est mon chat qui miaule. Ok. Et qu'est-ce que j'aime les menus de portage, je les trouve trop stylés. En fait, j'adore tout dans le jeu. Vous allez voir, je vais m'extasier dessus. Ça va être un peu gênant. Alors, 4K, fenêtrée sans bordure. Bah ouais. Mode économie d'énergie, non. Sens de... non. Ok, anti-crénelage. On va mettre le max. Je vais mettre l'anisotrope x16. Détail de l'image, bah, je pense pas que je puisse faire plus que très élevé. Non. Attends. Oui, non, je peux pas aller plus que 8. Ok. Là, on est bon. Les contrôles. Normalement, ils sont bons. De toute façon, il n'y en a pas 15. Yes. Ok. Nanana. Juste me boire un petit coup. Je me suis pris un petit Starbucks avant de commencer. Là, ça m'a l'air bon. Clavier souris, bah c'est bon. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Je voulais juste voir avant ça les achievements. Alors, putain, il y en a 51 sur celui-là. Bon, j'en ai déjà pas mal. Alors, placer un cube sur un bouton sans toucher le cube. Ah oui, donc avec un portal. Overclocker, terminer la salle de test 10 en 70 secondes. Putain, il faut s'en souvenir. Montrer à la fosse qui est son maître. Je comprends pas le délire. Tourelle vol, propulser une tourelle sur une plaque de foie aérien. J'ai pas fait. Trouver le signal caché dans l'un des repères de l'homme rat. Ouh. Se placer dans le détecteur de tourelle défectueuse. Ok. Rattraper une caisse peinte en bleu avant qu'elle ne touche le sol. Ouais, ça me paraît ok. Découvrir l'expérience manquante. Ben, je l'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà fait. Un bateau à la mer, non ça c'est bon. La porte du bonheur, examiner toutes les portes des salles de test vitrifiées. Oh, ah ouais quand même, il y en a beaucoup. Prise de position, refuser de résoudre le premier test du chapitre 8. Ok. Smash TV, briser 11 moniteurs dans les salles de test. Tamman 5, fait à la réussite de votre étalonnage coopératif. Ah ouais mais après ça c'est les trucs en binôme. Ok, travail de ça, terminer tous les tests. Ok ça c'est de la coop. Coop. Effectuez les 8 gestes de votre plein gré en coop. Ok. Ouais, après, c'est que de la coop, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est que de la coop. Bon. Ok. Par contre, pourquoi j'ai pas la musique ? On va voir. Allez. C'est parti. Oh d'ailleurs, c'est quoi la dernière fois que j'ai joué? Ah merde, y a pas l'année. Ah dommage. Dommage. Bon allez, let's go. On s'en fout, let's go. Non, pas continuer, quel con. Merde. Merde. Bah, surtout continuer, normalement je l'ai fini. À part si j'ai lancé... Heure corrompue à 100%. Non. On est en train de spoiler la fin. Ah, la musique. Ok, nouvelle partie, c'est parti. Hop.
Merde, oupsi. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du Centre de Relaxation Prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Non. Ah, il me demande. Ah bon, bah... Bien, vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Ceci est de l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Veuillez regagner votre lit. J'adore l'humour de Portal. Qu'est-ce que je l'aime, putain. Elle est bien, ma petite chambre. Elle est bien, hein. Elle est sympa. J'aime beaucoup. Bonjour. Votre cryostase a duré 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ce message... Vous comptez ouvrir la porte un de ces jours Vous comptez ouvrir la porte parce que ça urge un peu. Ah, mais ouvrez la porte. Mais salut, camarade, ça vous dirait d'ouvrir la porte? Bonne chance. Ah, j'adore. Bon, là, on est tout de suite pas dans la même ambiance. Superbe. Comment ça va? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Et c'est là que ça va commencer. Ouh, y'a la télé qui part en cacahuète. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale. Quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme, pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Approchez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé? Moi, j'aimerais, à quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je me demande, à quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer? Il y a la place? Ouais, je suis pas convaincu qu'il y ait la place, hein. Bon, faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah! Oh zut, je suis rentré en plein dedans. Ah bah. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande, merde, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test.
On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Bonne nouvelle. C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Pas des trous de balles, mais... vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Et voilà. Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter, c'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux, d'accord ? On se retrouvera plus loin. Allez, c'est parti. Ah. Voilà, c'est ça. Bonne chance. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science, où nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivations, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Ah... Alors... Ma radio... Ah, je peux pas l'allumer ? Ah, je croyais qu'on pouvait l'allumer. Oh, quel dommage. Les toilettes, elles fonctionnent ? Oh. Dommage. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, quand même. On rappelle que ce jeu date de 2011 ou 2012, je sais plus. La vache. Bon, si ça vous rappelle rien, ça, c'est le début de Portal 1, quoi. Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. Si les dites conditions sont la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chances de se produire deux fois. Ah, il est bien abîmé, le coco. Vous remarquerez le champ de particules incandescentes situé devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science désintégrera tout matériel non autorisé la traversant. Non, coquin. En fait, à vrai dire, je me suis rendu compte de ça. Je crois que ça devait être la 6 ou 7ème salle de test. Et j'ai pas recommencé. Parce qu'en fait, faudrait que je recommence ça. Et j'ai un peu la flemme. Je le ferai peut-être plus tard. Mais là, j'ai eu un peu la flemme. Ah, il est beau, ce jeu. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Et on voit un petit peu l'extérieur. Mais néanmoins connu, la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Ah, ça, pour le coup, les caméras, je les ai eues. Ça, j'ai eu l'achievement. Mais ouais, non, les radios, non. Malheureusement, non. Mais après, je pense que tu dois juste refaire les salles de test en question. T'es pas obligé de refaire tout le jeu, je pense. Tu sais. Oui. Ah. Alors, cube. Et qu'est-ce que j'adore les sons des boutons. Dans ce jeu, j'adore le son des boutons, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Ce qui est bien quand tu recommences, c'est que les radios restent vertes. Ah ouais ? Non, sérieux ? Ah, c'est cool. Ah, t'es pas obligé de tout refaire. Ah, c'est cool, ça. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats.
Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Oh, c'est beau. Ah. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Allez. Si la Terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Qu'est-ce que... Pareil, ça aussi, j'adore ces petits... C'est pas des easter eggs, mais j'aime bien ces petits trucs. C'est marrant. Ça me fait marrer. Le roi des tourelles. Ok. Bon là c'est les quêtes qui sont un peu simples. Hey, vous avez réussi. Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Vous pouvez. Oh bah tiens. Oh bah eh. Comme c'est étonnant. J'ai l'impression que je pouvais tomber un peu plus haut. Ça, c'est l'histoire de l'homme rat. Hop, tout va bien, il fait beau, ils ont monté GLaDOS. GLaDOS devient zinzin, elle tue tous les gens avec la neurotoxine. L'homme rat, lui, devient amoureux du cube de voyage lesté. Voilà, ensuite, bah, il y a Shell, ici, nous, qui, avec le cake is a lie, voilà, qui discute avec Portal, qui fait avec GLaDOS, qui fait mumu avec GLaDOS. Et ensuite, bah, Shell se débarrasse de GLaDOS. Et l'homme rat... Ah, c'est l'homme rat qui... C'est l'homme rat qui aurait récupéré ce portal gun. Et du coup, bah pour lui, Shell, c'est le Messi. Ok. Ok. Voilà. Hop. Là, on revient dans les salles de test plus classiques. Qu'est-ce que j'aime l'ambiance du jeu. Et hop. Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Et là. Hop, ça dégage. Ah. Bien, si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plainte. Et là, en fait, ce qui est drôle, c'est plus on va descendre... Au fur et à mesure, plus on va descendre, plus vous allez voir, les salles elles vont être de mieux en mieux, en meilleur état. Et ça, je trouve que quand même, ils ont bien géré. Ils ont bien géré pour faire ça. J'ai chaud. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3... 2, 1. Ok, donc là on a un petit cube. Là on a ça pour sauter. Ah bah ça pour aller chercher le cube. Voilà. Hop. Oh bah dis donc. C'était difficile, Jamie. Ok, salle de test 4. Hop. Hop.
Hop. Ah mais merde, faut que je retourne le chercher lui. Voilà. Et hop. Et hop. Beau travail. Ce message étant préenregistré, tout commentaire de notre part sur votre réussite relève de la spéculation. Veuillez ne pas tenir compte de tout compliment non mérité. Et oh Jamy, on est bloqué. Oh là 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 là, c'est compliqué. Ok. Là en soi on pourrait... Ah bah oui mais non, là le portail est en haut. J'aimerais bien savoir si si j'ai loupé des trucs cachés. C'est pas possible hein. Unreason. C'est quoi ça? Bon je comprends pas toujours ce qu'il met hein, l'homme rat. Pourquoi je suis venu là? C'est pas ici qu'il faut que j'aille ici? Fatigué. Ah bah non, mais je suis bête. Oui. Bah non, c'est là, mais c'est de là que je viens. Couillon. Allez, c'est mardi. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Ok. Alors. Hop. Bon. Alors lui, il fait quoi déjà ? Désolé, je suis en train de phaser sur le cube. D'accord. Bon, déjà, lui, on en a besoin. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai... Salut, Master of Null. Bon, bah, du coup, je te pose pas la question si ça va. Hein. Bah, écoute, moi, ça va très très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va, ça va. Pouf, pouf, pouf... Ah oui, ok. Et... Ouais, c'est une question-réponse, c'est ça. Oh merde, ah oui, merde, j'avais oublié ce détail. Et hop. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Quand même stylé, hein, ce jeu. Hop, allez, on sort de là. Bravo, le centre d'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité, vous n'êtes pas seul. En effet, il suffit de 1,1 volt à nos pseudo-personnalités pour maintenir leur intégrité, même dans des environnements apocalyptiques. Oh. Ah. Je me demande si je vais avoir le temps d'arriver au chapitre dans les sous-sols aujourd'hui. Il est déjà 16h18. Ah, j'ai prévenu, ça va être vraiment un petit stream. Le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails. Si les lois de la physique n'ont plus cours dans le futur, Dieu vous garde. Hop, ça dégage. Voilà, merci. Ok. Ensuite, ah, feu. Bon bah écoute, on va... Voilà, là c'est vraiment le début du jeu, hein. C'est les quêtes de base. Ah, tu veux pas tomber? Oh, quel con. C'est vraiment pas sympa. Et. Hop! Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir, et l'avenir commence avec vous. Je connais trop les répliques du jeu. Eh, franchement, qu'on vienne pas me dire que l'ambiance est pas ouf.
Alors, ça, ça dégage. Ok. Alors, ça, on va aller chercher le petit cube qui est là-bas. Et hop. Oula. Voilà. Ensuite. Ah, je présume que là, il faut aller là-bas. Je dis pas de bêtises. Et hop. Bon, ça, je présume que... Ah oui, ben non, je suis con, il y a une porte. Et... Voilà. Ok, et là, bah, il n'y a plus qu'à ressauter. Hop, allez, vas-y, tu peux le faire. Ouais. Nickel. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. L'humour de Portal. Était désactivé. Le centre d'enrichissement respecte votre droit de réserve relatif à cette déclaration. Donc toutes les mesures de sécurité ont été désactivées. Yukaidi, Yukaida, je suis là. Et là, tu vois, on voit les... On voit là, comment dire... Le rappel à Portal 1, avec les générateurs de boules laser et les récepteurs. Par contre, regarde-moi... Formidable ! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail ! La taille du générateur de boules laser. Aux innocents, lobotomisés, énorme. Les mains pleines. Si c'est pas beau, quand même. Passez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Attends, y'a rien d'autre à voir ici ? Non ? T'es où, c'est toi ? C'est simple, placez un portail sur le mur derrière moi et retrouvez-moi de l'autre côté. Coucou ! Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrai. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À trois. On y va ? Un... Deux, trois. C'est haut, c'est trop haut même, non? Enfin, bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez, on est prêt? Un. Chopez-moi, chopez-moi. Ah, oh, merde, oupsie. Oh. Désolé. Je suis pas mort. Pas mort. Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose, vous allez tiller. Hop. Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? C'est bon, vous pouvez vous retourner. Ah bah voilà. Ah, compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramasse et c'est parti. Allez, c'est parti. Regardez, je suis plus tributaire du diktat du rail. Ah, c'est formidable, on peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait? Attendez que je me repère, il faut que... Qu'on suive le rail. Donc là on navigue entre les salles de test. Oh, petite tourelle. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout les croisez pas du regard. Non, merci, ça va, c'est gentil. Avancez, avancez. Bonjour. 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 Ah, je pensais pas que... Ah. Alors, comment dire? Si vous avez vu le stream de Portal... Oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici, pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. Si vous avez des critiques ou des réserves sur ce plan, ce serait le moment idéal pour les formuler. Là, maintenant. Si... au cas où vous croiriez avoir loupé le coche pour formuler vos réserves, c'est encore faisable. La gueule. Si vous avez vu là mon stream sur Portal 1,
cette zone vous sera sans doute familière parce que c'était la zone de fin. C'est la zone de Lados. Et du coup, bah, je crois qu'on va aller lui faire un petit coucou. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Allez, cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, voilà. Il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Bon alors, petite GLaDOS. On est morte? On est morte? Je me demande, attends, est-ce que on a encore la toile missile par ici? Parce que là, ils ont bien remis l'escalier et tout. Pas l'impression. On a même la plateforme sur laquelle, bah, du coup, on l'a buté. Pas l'impression qu'il y a encore la toile missile. Bref, je suis en train de me paumer. Non, c'est de là que je suis arrivé. Ah, et là, on a l'incinérateur. Le fameux incinérateur. Là où on a jeté tous les trucs. Et du coup, si je ne m'abuse, par là... Bon, je sais pas. Bon, je sais pas. Hop. Ouh. Descendez cet escalier. Sautez. En fait, à bien y regarder... Ah, ça passe. Oh. Ça passe. Formidable. Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Rudement bien, même. Donc là, on est sous GLaDOS. Ah, je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah oui. Ah, ça a commencé. Oh, l'ambiance sonore quand même, elle est ouf. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. Dans Portal 2, je suis bloqué à un endroit. C'est où? C'est vers où? Vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Oui, oui. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Allez, allume la lumière. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah! Regardez, on pilote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Ah, il y a un mot de passe. Pas grave, je peux le hacker. Non ? Ok. C. Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo ? Prenez des notes. Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait de mal. Bonjour ! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Chapitre 6. Oh là, je me suis plus du chapitre. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Ah, oh non! Oh bah! Non. Mon portal gun! Non. Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Whitley! Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Ah putain, le sound design est tellement ouf. Chapitre 6, putain, je sais un peu où c'est. Je sais que chapitre... Bah, je vais pas spoiler, chapitre 8, c'est... Ouais... Je sais plus. C'était caché. Ok, bon bah tant mieux. Je sais plus ce que c'est.
Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Super. Au revoir. Désolée. Oh non, ne meurs pas. Attends, je vais te sauver. Ah merde, bah oui, mais j'ai pas mon portal. Hein? Ah bah je peux quand même te prendre sur mon portal gun. Ah! Ah bon. Ah, j'ai pas pris le portal gun, quel con. Non, c'est pas le portal. Bon, je sais pas. Je sais plus. Ah non, il est là. Voilà. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Oui. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Hop. Attendez, laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. J'adore. Ok, bah c'est par là. Vraisemblablement. Ah, on est à la salle de test 19. The cake is a lie. Ne bougez pas, je vous écarte ça. Mais quel désordre ici. Mais l'important, c'est que vous êtes revenu avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Oula. Oula. Allez, Zébardi. Hop. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. J'adore. Ah ! L'ancien laser. Et le nouveau laser. Ah bah voilà. Alors déjà, est-ce qu'on peut pas se faire... Ah non, je peux pas faire sauter la caméra. Non. Dommage. Ouh. Ah. Oh purée. Bon. Et le petit récepteur, bon ça va, y a rien de bien compliqué. Ah oui, ok, d'accord. Hop. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. J'aime bien ces petits trucs. Thermal discouragement beam. Ah, attends. Dans le schéma, j'ai l'impression qu'il y a un portal derrière qui...
Attendez. Ah ouais, c'est un portail. Le laser marche avec un... Ok. Ok. Je ne suis pas scientifique de chaperture. Je ne sais pas. Putain, il fait chaud. Hop. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre... petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. Ok, ok. Alors, la caméra. Hop. Voilà. Le cube anti-découragement, il est où ? Ça bug un petit peu. Aïe, ça me gratte. Cube anti-découragement, il est là. Oh, coucou toi. Hop. Ok. Il était... Ah oh bah lui aussi il est pas très propre. On peut pas avoir des cubes propres. Non. D'accord. Ah. Ah. Et là. Hop. Bon, ce soit je m'en fous. Allez hop. Aïe. Aïe. Ah merde, j'ai déplacé le cube. Ah là. Mignon le petit escalier. Et là, il me faut mon cube. Voilà. Bravo. Voici les résultats des tests. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Je crois qu'elle a le somme qu'on l'ait buté quand même. Je crois qu'elle a un peu le somme. Position. Allez. Ne laissez pas l'argument quelqu'un d'affreux vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Ok. Ça bug à un endroit. Ça me rappelle dans Harry Potter et... Oh putain, c'est lequel ? Et le prince de sang mêlé, tu sais, quand Dumbledore donne un coup de baguette et il y a toute la maison qui se range. Ça me fait exactement penser à ça. Hop, allez, la caméra, ça dégage. Donc, nous, on va aller... Bon, là, on va aller là. Hein. Ok, on veut le cubulus. Hop. Voilà. Et il faut... Attends, il y a certainement un truc ici aussi. Merde. Oh, c'est pas ma radio. Il n'y a pas une transmission cachée là ? Vilify. Don't even try. Feels like a trial. Too many variables. Suckers like. Exile. Pauvre Mra. Il a mangé beaucoup de haricots, hein, le pauvre. Il devait avoir un sacré transi. Hein. Mais je pense qu'il y a peut-être un souci. Il n'y a pas un deuxième cube, je sais plus.
Oh là là, et je commence déjà à bugger. Quand je vous dis que je suis fatigué. Ah mais non, c'est qu'il y a deux lasers. Oh mais quelle graine de connard. Quelle graine de connard. Je commence à bugger sur des trucs simples. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide aux alimentations. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. Merci GLaDOS. Merci. Allez, let's gong. Oh, je suis fatigué, j'ai un coup de barre. Oh là là, et en plus je dois sortir après. Quel enfer. Ok. Ok, ok, ok. Un instant. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Et hop. Ah, il est tombé. Vous voyez, petit à petit, les salles s'améliorent. Mais vraiment petit à petit. Ça prend son temps. Tu vois. Ok, alors. Là, il faudrait que ça ce soit là. Mais que là, ça aille. Ça, c'est jaune, donc il faudrait le bleu. Ah! Oh, salut! Boum! Ok. Donc il faudrait que ça aille. C'est quoi que je dois détruire? C'est le bleu. Et hop! Et là, le but, c'est d'éviter de se cramer les sourcils. Voilà. Vous m'avez écouté. J'en suis très heureuse. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Dirigez vos poignées d'amour vers l'ascenseur pour continuer les tests. Dirigez vos poignées d'amour. C'est pas gentil. Et toi, GLaDOS, prépare le centre un peu plus vite, feignasse. Il y a quand même un truc qui était un peu chiant avec Portal 2, on va pas se mentir, c'est qu'il y a tout le temps des chargements. Tout le temps. Bon, ça va, ils sont sympas, mais ils sont pas très longs. Mais quand même. Ils ont abusé un peu à l'époque des chargements. Oh, c'est quoi l'animation là? Ah, les plaques de foie aérien. J'aime bien regarder ces petites animations, j'y trouve super sympa. J'aime bien. Ok. Ah. Laisse-moi un cube. Dommage. Le test qui suit comporte une plaque de foie aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Vous voyez, mine de rien, petit à petit, le centre devient de plus en plus propre. Quand même, l'eau des égouts est un peu plus propre que ce qu'il y avait dans le 1. On va pas se mytho. C'est pas non plus ouf, mais c'est déjà mieux. Oui. Hop. Alors. Là, va falloir y aller au bon moment. Genre pas maintenant. Il y a une caméra là aussi. Et hop! Ah merde, loupé. Putain! Oh non, là j'ai glissé. Hop! Ah là! Je l'ai dû! Et hop! Que saviez-vous? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Me manque plus qu'une caméra et deux radios. Ah, horrible. Horrible.
Bon bah maintenant il te manque plus qu'à les trouver. Passons au test suivant. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre également les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. Oh, pauvre chaton. Oh, il y a des cubes. Il y a des cubes et des tourelles. C'est ça? Ah, c'est un carton de tourelles. Ok. Ok, ok, ok. Bon, là, il n'y avait rien de compliqué de mémoire. Et ouf. Wouh! Heureusement que j'ai des réflexes, hein, dis donc. Ok. Ok, ok, ok. Bah... Oh, pardon. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous. Non, moi je veux les déchets. La balle. Les déchets ne se prêtent pas au test. Ah non, j'ai pas réussi à garder la balle. Appuyez encore sur le bouton. Y'a pas une transmission cachée? Ah, moi j'emmène la radio, hein. Ah, j'ai encore envie d'achoumer. Quel enfer. Et... Hop. Ok. Le bouton. Le bouton, il est là-bas. Il y a une plaque de foie. Non, comment on y va déjà? Ah bah. Parfait. Oh. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je la suis sainte désolée. Radio. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation, ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un Portal 3. Non, la radio. Reste avec moi. Oh, attends, si j'essaye de faire ça. Bah tant pis. Pas de radio. Déception. La déception est dure. La déception est dure. Ça manque de radio. Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Oh, mon cube cœur. Oh, l'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test? Désolé. Connasse. Retournez en prendre un autre. Oh, oh zut, je l'ai détruit aussi. Pas grave, nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande, vous m'en débarrassez. Whitley, coucou. Je t'ai vu. La sainte pub, mais non mais... C'est insane. C'est ouf ça quand même. Ok. Ok, ok, donc là. Mmh.
C'est ouf quand même qu'il y ait des pubs comme ça. Chiant. Alors. Je le sens pas trop bien là. Voilà. Dieu. Hop là. Et hop là. Voilà. Une salle de test compliquée, hein. Oh, chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Oh, j'aimerais tellement porter mon cube. Y'a rien que je peux emporter là ? Bon allez, je vais être gentil. Oh. Ah. Ah. Tu disais Glad. Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience, mais il y en a tellement. Mais tu savais pas, Coca, qu'on pouvait faire ça à ce moment-là ? Si GLaDOS te dit un truc de ne pas le faire, c'est que tu peux le faire. Revenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez ? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test qui n'en comportait pas. C'est bon ? Ah ! Ouh ! Oh non, encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. Merci GLaDOS. Ah, en même temps, j'ai envie de te dire... Voilà. Attends. Attends, attends. Si, bah si, si, si. Bon, eh, quand même. Dis donc. Hop. Hop. J'ai même pas besoin du cube. Quelle tristesse. Oh attends, j'ai pas un truc que je pourrais abîmer ? Non. Non. Bon bah tu viens avec moi. Allez ! Ah bon bah non, tu viens pas avec moi alors. Et hop ! Ah ! Oh putain, je suis fatigué. Ouh. Bordel. Hop. Chapitre 3, le retour. Bah, hé, calme-toi du dos. Je peux sauter dessus ? Non. Non, bon, tant pis. J'aime bien comment GLaDOS est en train de reconstruire les salles. Ok, alors. Là. Hé, hey, hé, hey, c'est moi. Tout va bien. Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas? Voilà, essayez voir. Je ne croirais jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre, vous pensiez que j'étais... Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre... Adiposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros.
À propos, vous avez l'air en forme, très belle. Essayez donc. T'as qu'un oiseau dingue, non? Et donc, moi... Vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Ok. Ouh. Ok. Quand même, je trouve que les énigmes dans Portal 2 étaient quand même plus compliquées que le 1. Le 1, ils étaient franchement simples. Et le 2, je les trouve un peu plus complexes. Comme ça. Aïe. Wow. Ah. Ah, fallait avant que j'appuie sur le cube. Bon, écoute. Ça va le faire comme ça. Et hop, est-ce que ça a marché? Non, pas du tout. Dommage. Donc là, faut que je remette le bleu là-bas sur le plafond. Et voilà. Mon cube. Aïe. Ah non, c'est bon. Oula. Et ensuite. Hop. Et là, ah merde. Après ça, on s'en fout. Il faut l'orange là. Aïe. Wow. Quelle classe. Vous avez toute la grâce d'un aigle. Qui pilote indirigeable. Voilà. Les secondes. Allez. Hop. Mince. Ah. Ah merde, j'ai bientôt fini mon chocolat vinant. Le prochain test va vous plaire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. Ok. Oh putain, celle-là, je me souviens, elle était chiante. Elle était chiante, cette salle. Oh, un cucube. Bon, jusque là, ça va. Rends-moi mon cube. Saloperie. Ok. Ah, bon, ça c'est un accident. Allez. Voilà. Et hop. Oh bordel, fatigue de merde. Donc là. Ça m'emmène là. Sauf que je dois aller tout en haut. Après, si je prends la plaque de foie... Ah non, faudrait que je prenne la plaque de foie et rien. Celle-là, elle m'emmène où? Elle m'emmène en haut. Ah bah non, là. Oh, ok. Let's gong.
Ok, là j'ai un réflecteur. Ok, cool. Là, le générateur en bas. Ah putain, j'aurais dû prendre... Non. Ok, faut que je prenne le réflecteur. I see. Oh mais non, parce que du coup... Le problème qui va se poser... Ah mais non, mais j'ai posé un portail là, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. Et là, normalement, ça fait des chocs à pic. Ouf. Ah. Ah. Ok. Voilà. Quelque chose à ajouter ? Voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui. J'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Allez, let's gong. Ah. Bon, ça va. Ça va, c'était pas compliqué. Oh putain. Hard Light Bridge. J'aime bien voir comment ils sont générés. Le soleil va dans la terre, ensuite de la terre ça va dans des tuyaux, et les tuyaux vont dans une machine qui fait des gros ponts. Ah mais on est déjà rendu à la zone des ponts lumineux ? Non. Ah bah si. Les ponts sont faits d'une lumière naturelle que je pompe de la surface. Si vous frottiez votre joue contre l'un d'entre eux, vous auriez l'impression d'être dehors, le visage baigné de soleil. En outre, vos cheveux s'embraseraient. Je vous déconseille donc d'essayer. J'adore le bruit que ça fait quand on marche dessus. Ok. Donc là, il y a du liquide pas beau. Oh, bah dis donc. Whitley. Ah, bon, d'accord. Only not with my eyes. Non, this thing like seeing only not... Ok, d'accord. Donc là, bah, j'ai besoin d'aller où ? D'aller là. Oh putain, c'est vrai, il fallait faire des trucs avec les ponts. Oh là là. Ok. Faut pas trop descendre non plus, hein. Hop, reviens là mon petit cube. Voilà. Voilà. Et ensuite, faut mettre le cubulus par là. Un peu con ce que je viens de faire. On en conviendra, c'est un peu gogol. J'avais juste à... Voilà.
Hop. Doupidou, pidou, pidou. Et hop. Yes. C'est lequel? J'ai pas envie de me gourer. Oula, 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 oula. Excellent. Vous êtes une prédatrice et ces tests sont vos proies. À propos, j'ai réalisé des recherches sur les requins pour un futur test. Connaissez-vous d'autres créatures qui tuent leurs bienfaiteurs? Les requins, vous dites? Erreur. La bonne réponse est personne. Personne sauf vous, vous n'a cette cruauté gratuite. J'adore. Allez. Peut-être que je prenne l'ascenseur. Oh putain, eh, je crois que je vais vraiment pas faire long feu là, je suis en train de m'endormir. Ça serait quelle heure ? 7-5. Bonne nouvelle. J'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume d'air qui vous est destiné. À votre mort, je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil. Ainsi, les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse. Sympa. Tu bugs un peu. Formidable. Hop. La porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un la répare. Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. En même temps, c'est au centre, connasse. Hé, hey, par ici. Là-haut. J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ah, ça va coincer l'office. J'ai... Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai? Celui qui a pendu les œufs. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Wifi. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà. Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vu. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons. Terminé. Alors. Là, j'ai un pont de lumière, mais je peux pas aller le prendre tout de suite. Là, j'ai un cube, mais il tombe à la flotte. Oula. Ah là là. Ok. Faut pas que je vire le bleu. Bonsoir le cube. Voilà. Voilà. Ok. Et là, je peux le descendre. Ça va être risqué. Ah là là, le cube. Dites donc. Et hop. Bravo. Je vais même le porter à votre dossier dans la section mention spéciale. Oh, comme c'est vide. Performance satisfaisante dans l'ensemble. Allez, zébardi. Hop. Qu'est-ce que j'aimerais un Portal 3 en RTX. Oh, imaginez Portal 3 avec du RTX. Ce serait beau. Oh, ce serait magnifique. Ou un... Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance. Non, une réadaptation de Portal 2 en RTX. Oh là là, ce serait beau. Ce serait beau. Ok. Je suis con, moi. Ah, il y a un objectif comme quoi je dois être dans le rayon d'une tourelle. Aïe. Bon, bah, vraisemblablement, l'objectif, je l'ai pas eu.
Coucou. Ah bah t'es mort. Bah ouais. Ah. Ok. Oh, y avait une caméra. Oupsi. Et hop. Hop. Voilà. Ok. Et hop. Au revoir. Aïe. J'ai pris une balle perdue. Oh et puis Alain. Oh c'est moi. Oh, on peut... Live. Ammunition. Cible perdue. J'aime bien voir l'intérieur des toiles. Bonne nuit. Elles sont bien faites quand même. Elles sont si mignonnes. Elles sont si mignonnes et si meurtrières. Est-ce que ça marche sur un bouton? Non. Dysfonction. Quoi? Vous êtes toujours là? Recherche autotest. Déploiement. Qui êtes-vous? Et hop. Ah. Hop. Allez, let's gong. Tiens, je t'emmène avec moi. Oh. Oh, j'ai jamais entendu ce bruit là. Et hop. Ah bon bah non. Oh je suis tombu. Aïe. Oh, non. Chargement. Hop. Pour maintenir un cycle de test constant, je simule la lumière du jour à toute heure et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air, histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier c'était votre anniversaire. Bon anniversaire. J'adore comment la salle de test est refaite. C'est si bien fait. Et hop. Ok. Alors. Voilà. Vous vous rappelez que je vais vivre éternellement et que vous mourrez d'ici 60 ans? En fait, je développe un cadeau d'anniversaire en retard. Enfin, plutôt... une procédure médicale d'anniversaire. Bon, une expérience médicale d'anniversaire, si on veut être exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau. Comme elle est gentille. Oh, par contre, j'ai hâte de faire Portal Mail Story. Enfin, je l'avais fait, mais je m'en souviens quasiment plus. Votre combinaison vous donne l'air stupide. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans votre dossier. Elle va très bien à d'autres personnes. Mais un scientifique a noté qu'elle vous donne l'air stupide. Merci. Bien sûr, un vieil ingénieur barbu et la mode, ça fait deux. Il est sûrement... Ah, mais attendez, c'est une femme. N'empêche que... Ah non, attendez, elle est docteur en sciences. En sciences de la mode. Ouais, j'ai hâte de refaire Portal Mail Story parce que je m'en souviens plus. Et aussi de faire Portal Reloaded parce que lui, je l'ai jamais fait. J'ai hâte. Oula. Mode sentinelle activé. Et hop. Avec les copines. Aïe. Voilà.
Oula. Ok. Ok. Ouh. Ouh. Mais dis donc, on s'amuse. Mais non, mais arrête. Ok. Voilà. Là, ça va être le moment amusant. Hop. Ok, alors là, ça va être le moment amusant aussi. Voilà. Salut les cops. Voilà. Allez. La bise à Denise. Pour la liste des sujets de test en cryostase, j'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Ah. Oh, purée. Oh. Oh la vache. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de vue. Oh. Oh, salut toi. Ok. Mm-hmm. Oh bah écoutez. Oh. Oh les pauvres bichettes, ça me fait mal au cœur pour elles. Ok. Je pense que l'on peut se dire qu'on va se les détruire. Ah mais est-ce que le verre va pas protéger justement du laser? Une bonne question. Ah merde alors. Bonjour. Là je suis bien dans l'alignement, oui. Ok. Ah. Ah mais il y a un cubulus, je suis con. Je suis con. J'ai juste à le garder lui et puis voilà. Ok. Hop. Coucou. Oh les pauvres. Allez, salut. Moi aussi je peux chanter. Allez. Et hop. Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'aperture. Quelle découverte lui a valu un prix, je l'ignore. Mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Eh, tu vois, t'es pire, t'as tué tous les scientifiques, toi. Ok. Ça, ça ouvre la porte. Mmh. Et hop. Ah. Merde. Ok, c'est bon. J'ai capté. Donc là, il nous faut le orange ici. Sur lequel on va mettre le laser. Ah! Non! Bon. Ça devrait fonctionner. Et là, en toute théorie,
si je fais. Non ! Merde ! La con de toi ! Oh là, j'ai mal visé. Ok. Voilà. Et là, on devrait être bon. Je vais enlever le pont laser, ça va tomber là-dessus, le laser va se remettre et voilà. Voilà. Vous vous dites sûrement que j'ai oublié votre surprise. Au contraire, nous sommes justement en train de nous en approcher. Après toutes ces années, j'en suis tout ému. Allez. Oh purée. Oh. Surprise. Oh là, pourquoi je suis zoomé? Hop. Oh. Exécution surprise. Dans 3, 2, 1. J'ai tout inventé. Surprise. Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer. Fini les radios. Les dernières étaient tellement bien planquées. Ah ouais? Ah ouais? Bon, on verra, écoute. Hein. On verra. Peut-être que je le ferai, je sais pas. Oula, 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 oula. Toi, comment je pourrais dé... Aïe, 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 aïe. Il me faudrait un cube laser. Il y aura un cube laser par ici. Ou là-bas. Pour cela, il me faudrait un petit pont laser. Aïe. Après, peut-être que si en soi je fais juste hop, oui, ça se tient. Ok, le bouton. Ah. Voilà. Et la collision. Nickel. Bon, nickel. Hop. Ouch. Hop, hop. Hop. Oui. Hop, mais pourquoi il me le prend de travers lui? Oh. Et on va surtout s'occuper d'elle. Parce qu'elle est chiante. Et yop, pop, 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 pop. Et voilà. Aïe, ah. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant, avouez. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. C'est con, mais ça me fait encore rire, ce humour. Mais c'est con. C'est sacrément con. Allez, let's gong. Oh bah. Hey, comment ça va? J'ai réussi à intégrer l'équipe de nanobots qui reconstruit la cage. Ils sont vraiment minus, donc je sais, Jerry. Non, mec, je fais une pause, là. Une pause. Ah, 5 petites salles et c'est... Hein?
Tu vas pas me renvoyer pour ça. Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra au tribunal. Enfin bref, 5 petites salles et c'est bon. Allez. Vous connaissez la formule. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Or, vous avez passé très longtemps en cryostase. Donc la situation est au final plutôt drôle. Ok, ok, ok. C'est cocasse. C'est cocasse là. Ow. Ok. Celui-là, c'est bon. Hop. Ok. Là, si je fais... Il me faut ce cube. Non, absolument pas. C'était nul à chier, bravo, bravo, bravo. Donc c'est le bleu que je dois tirer. Soit. Soit, soit, soit. Ok. Ouais, mais là je peux pas retirer. Ah oh, bah eh, j'avais pas vu. Je n'avais point vu. Eh mais non, c'est pas là que je dois aller moi. Ah oh, j'avais pas vu qu'il y avait un. Ah bon. Ah alors ça c'est un échec. Ok. Et hop. Et je n'ai pas pris deux cubes laser parce que je suis un mec intelligent. Putain. Je suis trop con. Par contre, il est où mon autre cube laser? J'en avais deux. J'en ai fait tomber un là et j'en ai fait bien fait tomber un là. Non? Je sais plus. Je ne sais plus. Ok. Ah! Ouais, mais là on est sur la même problématique en fait. On est sur une problématique où il me faut un cube. Ah bah après je suis bête. Oui non je suis bête. Bah oui voilà. Ouh. Ok. Voilà. Aïe. Mais par contre, où est mon autre cube? Il est resté. Ah bah il est resté là. Ok. Hop, on détruit tout le monde. Voilà. Zébardi.
Oh, ça va. J'ai beau être fatigué, je galère moins. Je dois m'améliorer. Ah, ouh. Et voilà. J'ai réfléchi à notre dilemme et je pense avoir trouvé une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. Non, mais c'est quoi ? Hop. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Ah oui, celle-là. Le centre est redevenu opérationnel. Ah, elle est trop jolie cette salle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Alors. Donc là, on est sur... Ok. Voilà. Bon. Je pense que ça va, hein. Et voilà. Et hop. Ah bah j'ai déjà fini. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Ouais. Je n'ai aucun mérite. Il suffisait d'être un tant soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. Ah et bah voilà, le centre est redevenu opérationnel. GG GLaDOS. Elle aura fait vite, hein. Ok. À l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise, dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis, des vrais, notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Mais ils prenaient la poussière. Ok. Ok, donc là il y a le bitonio qui m'offre un cube. Ah ! Que se passe-t-il ? Qui a éteint la lumière ? Hey Paris, je pars dans un accent qu'on peut pas attendre. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Non, je reste avec GLaDOS. Non ? Non, non, je reste avec GLaDOS. Oh, l'effet de lumière ici, il est magnifique. Non, j'appuie sur le bouton. Bon, bah, il me laisse pas le choix. Ah ! Ah, d'accord. Ah, j'ai 13 secondes. Ah, d'accord. Ok, bon. Bah, je m'en vais alors. Bon bah tant pis. Essaie de s'échapper là maintenant. Alors on court. Oui, laisse-moi prendre mon temps. Sur nos plans, il faut qu'on stoppe la chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ces neurotoxines et après on pourra l'affronter. Mais je le répète, pour l'instant, courez. Il y a le temps. T'inquiète pas, Wiki. N'arrêtez pas, surtout n'arrêtez pas. Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Ah mais du coup je ne sais pas quelle a été ma surprise. Voilà, allez-y. Essayez. Bah oui, c'est bah attends. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami. Elle m'a même mis un petit cœur. Mais je rêve. Oh. Vous allez où ? Dites, vous allez où ? Tiens, regardez. Un cerf. Rapprochez-vous regardez. Si vous ne croyez pas. J'étais gentil GLaDOS, je suis revenu. Je suis revenu GLaDOS. Je pense que vous étiez quasiment au dernier test.
Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve ! Il me prend pour des fous ! Et hop ! Hein ? J'ai pas compris là par contre, pourquoi je suis mort ? Ça n'a aucun sens. Ah non, c'était un chargement, d'accord. Non mais j'ai eu l'écran de neurotoxine, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Ah ! Ah ! J'ai entendu des coups de feu ! C'est peut-être un peu trop tard, mais faites attention aux coups de feu. Sans doute trop tard même, mais bon. Salut. Mais comment t'es encore en vie, toi ? Tout va bien ! Génial ! Allez ! Par ici. Les tourelles. Au revoir, tourelle. Go. Ah, elle a éteint la salle de test. Eh, franchement, niveau économie d'énergie, GLaDOS, elle est plutôt calée, hein. GLaDOS, c'était quand même une sacrée rageuse. Hein. GLaDOS, c'est une sacrée rageuse. Hein. Évasion. On est déjà au chapitre 5. Oh, parfait. Vous avez réussi à passer. Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici au moins, elle peut rien nous faire. Que se passe-t-il ? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Non mais sans blague. À quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser? C'est complètement débile. Ah bah oui. Quand même, les effets de lumière... Les effets de lumière, ils sont plutôt bien faits. L'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Ah, pas par là. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Ah, mais merde. Pas paranormal, bien sûr. Où est-ce que je suis allé, moi? C'est par là? Non. Je suis pas sûr que je suis allé au bon endroit. Pas sûr du tout, même. Je peux pas appuyer sur le bouton? Non. Ok. Continuons. L'entrée de l'usine doit être quelque part par là. Attention, attention. Attendez, que je vous éclaire avant de sauter. Hop. Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Ah, faut que je saute. Oh, bien vu ça. Ah bah tiens, on va aller dans un incinérateur ou sous les lasers. Ça me paraît bien ça. Vite, par ici. Et hop. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contremaître a choisi. Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Si c'est pas du favoritisme ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... C'est pas gentil ça. M'occuper des humains tout court. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sac d'humains. Ça me manque un peu de tact. Qu'est-ce que j'aime les tubes comme ça.
Pouf. Bah par là, oh là, j'ai fait tomber dans le vide. Il va falloir qu'on se sépare. Rejoignez ce passage à coup de portail et on se retrouve de l'autre côté. Et hop. Il faut qu'on vous fasse sortir de cette salle. Vous pouvez atteindre ce mur là-bas. Et hop. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ok, il y a un autre mur par ici. Non, franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve. Et leur folklore, très exotique. J'aime beaucoup. Ok. Bon, alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Attention. Ah, oh là. Un petit peu tombu. Je suis un petit peu tombu. Et hop. Et c'est parti. Ouf. Oh là, mon fil. Bah. Mais. Voilà. Non, c'est par là. Ok, donc on est dans l'usine de Tourelle. Chaîne de rédemption des Tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les Tourelles en chemin vers la rédemption. Vers la rédemption. Les chaînes de rédemption des Tourelles ne sont pas un moyen de transport. Voilà. Où est-ce que je dois me transporter moi? Ah bah là. Et hop. Ah ah. Oh. Ah. Au revoir petit morceau de tourelle. Oh, il y en a une qui est encore en vie. Je te prends avec moi. Prométhée a été puni par les dieux pour avoir donné le don du savoir aux hommes. Il a été jeté dans les entrailles de la terre et s'est fait picorer par des oiseaux. Et pourquoi j'ai pas la version vocale? Oh, du don. Ah, mais je t'emmène avec moi, t'inquiète pas. Je ne suis pas comme les autres. Ah non. Bonjour. Bon, je te laisse là. Ah bon. Ça va pas. Ok. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Oh les pauvres. Finissent tous à l'incinérateur. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Et. Hop. Modèle, ah bah réponse. Ça va toi? Bon. Modèle. Réponse. Je t'emmène avec moi. Vous avez réussi à passer. Suivez-moi, vous allez adorer. On y est presque. Et hop. Là,
centre de contrôle des tourelles. Eh, rien que ça. Tenez, vous voyez ce scanner là-bas? C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêtera. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Oh. Tournez-vous une petite seconde. Et j'ai tourné. Aïe, piraté. Ah, ok. Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Hop. Attends. Oh, est-ce que je peux me... Qu'est-ce que vous avez là? Oh. Ah, mais attends. Ah, donc quand c'est moi, je passe pour une tourelle en bon état. Bon. Bah écoute. Oh mais oui, c'est génial. Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production, je vais pirater la porte. Bon, je vais commencer le piratage. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre côté. Hop. Dans les 10 minutes. Gardez un œil sur la porte. Allez, let's gong. Oh, elle était ouverte depuis combien de temps? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre? Une sonnerie, une alarme, une alerte piratage? Enfin, l'important c'est que ce soit ouvert, mais... Allez, on y va. Ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Et hop. Alors... Ça, c'est fait, elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Oh, il y a un truc d'employé ici. Ah, les fameuses salles Aperture Science. Ils avaient des beaux petits photocopieurs quand même, hein, les cocos. J'adore. Pas franchement un succès, mais journée parents-enfants. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi, enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. Les batteries patates. Et tu sais les potatoes. Un volcan au bicarbonate de soude. Au moins, c'est pas une batterie patate, c'est déjà ça. Mais ça vole pas très haut non plus, c'est de la physique chimie niveau CP, CE1. Mm-hmm. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, on va manger. Bizarre sa patate quand même. Très très bizarre sa patate. Elle est énorme. Un arbre patate. Ok. Oh, y'a quoi là? Ah! Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah, tiens, c'est pas par là. Bon, essayons par ici. Ah, le générateur de neurotoxines. Hop. Yeah. Oh. Oh, putain. Ah. Ah, j'étais sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxines. Je ne croyais pas aussi grand. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Mais non. Il y a une sorte de salle de contrôle. Voir ça. Et hop. Je devrais pas rire. Il ressent la douleur. Ou une simulation, en tout cas, mais ça doit être bien réel. Oh, les pauvres. Au revoir. Les pauvres bichettes. T'es verrouillé, impossible de la hack. Hé, on sait pas à quoi il sert, bouton. Oh, la porte.
Et hop. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxines. Le problème, c'est qu'il y a un mot de passe. Ah, une alarme. J'en fais mon affaire. Vous inquiétez pas. Mm-hmm. Vous en faites pas des neurotoxines. Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Je sais pas ce que vous faites, mais continuez. Attendez, il y a un problème. Le niveau de neurotoxines est monté à 50%. Il est descendu. Et hop. Bah alors ma petite GLaDOS. Ah. Les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Dangereusement non mortel. Ah bah on va aller faire coucou à GLaDOS. Oui! Wow. Et même des confettis. On va aller faire coucou à GLaDOS. Elle doit être revenue en meilleur état là normalement. Bah la caméra elle se casse la gueule. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. Wouh! Ah j'étais sûr que ça serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors forcément je les avais cru, mais au final, c'est super fun. J'adore. Oui. C'est immense ici. Et encore là, où ça donne la gerbe. Supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années, bien sûr. On doit plus être très loin. Oh, elle va tirer une de ses tronches. Les neurotoxines en rade, les tourelles qui déconnent, ça va être funky. Attention, il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Yep. Ah, je vais dans le mauvais sens. Rejoignez-la, pour vous. Oui. On va faire coucou à GLaDOS. Alors. Oh là, y'a rien. Ah. Ça, ça marche ? Non. Ah. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary. Keep unlock. Une fausse porte. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contentée de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Ah! Oh, des toilettes. Tout ça, c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement, adieu. Ah. Oh bah, oh bah non. Vous n'avez pas chômé, on dirait. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieille amie, la neurotoxine, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Bonjour. Je vous hais cordialement. Je vous hais cordialement. Corrompu, moi ? Mais non, je me porte à merveille. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle ! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transfert de noyau ? Dites-moi que c'est une blague. Ah. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Branchez-moi. Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrez la procédure. Oui. Cœur corrompu. Démarrez la procédure. Non. Oh, si elle l'est. Non. Temporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui. Débranchez-moi, Sauf si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résolution. Laissez-moi brancher. Le bouton. Ne faites pas ça. C'est ça. Ah.
réfléchissez bien. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. Mais si, je suis qualifié. Ne l'écoutez pas. C'est vrai, je suis qualifié, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Un toit. Usurpation de temporisateurs qualifiés. Je viens de l'ajouter à la liste que j'ai faite de toutes les choses que vous avez faites. Ou plutôt, à la liste que je suis en train de faire. Vu que vous continuez à faire des choses, alors que je vous dis d'arrêter. Au fait, arrêtez. Et hop! Bah alors, GLaDOS? Bah alors, tu t'es chié dessus? Temporisation résolue. Allez, au revoir, GLaDOS! C'est parti! Ouais, mais et si ça fait mal? Genre, très mal. Mince alors, j'y avais pas pensé. Oh, ça oui, vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal? Vous dites ça comme ça, hein? En fait, ça va pas faire. Au revoir, GLaDOS! Mal, j'ai à moitié de la peine pour elle. On a réussi. Je contrôle maintenant tout le centre. Mais c'est un peu ça, hein? Non mais sérieusement, je suis sacrément cool en robot géant, pas vrai? C'est qui pour la classe? Ah oui, c'est vrai, l'ascenseur. Je l'appelle tout de suite. C'est parti, l'ascenseur arrive. Oui, c'est fou, merci. Vous êtes toute petite, une ici, je vous vois à peine. Vous êtes toute petite. Vous savez quoi? Je savais que ce serait cool d'être commandé. Mais... oh là là. Hey, devinez quoi? Je suis un génie première. Questa 62 est le software de traduction de format Eureka. Por favor, consulta el manual. Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh, pardon, l'ascenseur, oui, j'oublie toujours, désolé. Sérieusement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minutes. Mais moi. Je suis énorme. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Vous savez à quel point ça peut être jouissif. C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit nabo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens donc, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors, non, j'ai rien dit. Que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis signé au 4 circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle. À part jouer les boss. Mais c'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Eh ben c'est moi. Ah. Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Pardon ? Des ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipé d'une sphère cognito-réductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idiotes. Non, je vous écoute pas. La la la. Non, non, vous mentez, vous mentez. Ah bah bon. Et là, on change de logo. Aperture Science Innovators. Oui. C'est où GLaDOS, je te vois pas. Oh bah ça va, 3 km de profondeur. Comme les autres, c'est le fruit des plus grands esprits de son temps, unis dans le seul et unique.
Ouais, bah oui. Oh. Et ça, c'est la meilleure partie du jeu pour moi. Selon moi, c'est la meilleure partie. Mais cette partie, je vais la garder pour une prochaine fois. Oh, oh putain, oh, je crois que j'allais faire une sieste avant de sortir parce que là, je suis fatigué. Hop, nouvelle sauvegarde, boum, boum. Hop, hop. Oh, j'adore ce menu. Hop. Tac. Bon. Bah écoutez, j'avais prévenu, ce serait un stream assez court. Déjà parce que je suis fatigué et parce qu'en plus, bah, j'ai un truc ce soir. Oh, ça va, 2h30 quand même, mine de rien. Ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Bah voilà, du coup, demain, je ne streamerai certainement pas pendant la journée. J'ai un pique-nique de prévu, ça me fait chier, mais bon, pas le choix. Peut-être demain soir, je ne sais pas. Rien n'est moins sûr, sinon bah, ce sera lundi. Sinon ce sera lundi pour la suite de Bus Simulator, du Minecraft, enfin, je ne sais pas. Ce sera la grosse surprise. Moi-même, je ne sais pas. Donc sur ce, moi, je vais vous abandonner là. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Et à la prochaine pour la suite des aventures de Portal. Allez, bye bye tout le monde.